Voilà. Les amis, j'espère vraiment qu'on entend ce bruit. Donc les amis, on se retrouve comme promis pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle enquête dans ce lieu qu'on a déjà visité. Malheureusement, je peux pas aller à l'hôpital maintenant. Comme je vous l'ai dit, j'attends que mon véhicule soit réparé. Je peux pas faire autant de kilomètres et l'hôpital se trouve quand même assez loin. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir les amis. Que je revienne. Et en tout cas, j'espère qu'il se passera quelque chose pour vous. Et rappelez-vous, il s'est passé... s'est passé quelque chose la nuit, la dernière nuit où j'étais venu, le K2 ça va allumer et une porte avait claqué. Vous pouvez revisionner la vidéo, vous verrez les amis. Oh là là, il fait quand même assez noir. Bon, je vais allumer la lampe torche. Et je vais allumer aussi le K2 les amis. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, que je revienne. Oh, il y a beaucoup de mouches que je trouve ici. Vous entendez? Non? Ah, pourtant ça pue pas. Hein. Ils sont pas mauvais ici. Après c'est tout le bordel aussi qu'il y a, les amis. Vous voyez? Moi je vais allumer le K2. J'ai été distrait par ces mouches. Désolé les amis. Bon, en tout cas, je vais me représenter. Hein. Bonjour. Je m'appelle Mike. Vous vous souvenez? Vous avez fait fluctuer le K2. Et même déplacer une porte. Est-ce que vous pouvez le refaire si ça vous dérange pas? Bon les amis, je vais allumer le K2. Hein. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? En tout cas, j'espère que vous voyez assez bien le K2. J'espère qu'il est assez bien situé. Allez-y, s'il vous plaît, là. Je suis déjà venu ici, vous avez fait fluctuer le K2. Bon, j'allume parce qu'il fait quand même assez noir, hein, les amis, même si on est deux jours. Désolé, c'est moi les amis. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Mike? Vous pouvez faire du bruit. Hein. Allez-y. Hein. Et touchez le K2 aussi si vous voulez. Faites-le fluctuer. Je reviendrai de nuit. De toute façon. Donc vous pouvez vous manifester. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, j'espère que je ne vous dérange pas. Hein. Je suis pas là pour. C'est Mike. Moi, j'espère que c'est assez solide. J'espère que vous vous souvenez de moi. Je suis pas là pour vous déranger, vous le savez.
Prouvez aux personnes que vous existez bien, qu'il y a bien un au-delà. Donc si vous pouvez vous manifester là. Bon, c'est cette porte qui a claqué les amis. Celle-ci. Hein. Celle devant moi. Hein. Je vais l'ouvrir. J'espère qu'il se passera quelque chose pour vous. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de moi, s'il vous plaît, là? Je suis pas là pour vous déranger. Hein. Mais allez-y. Touchez le K2, là. Prouvez que c'est vous. Vous pouvez reclaquer la porte si vous voulez. Bon, je la laisse ouverte au cas où, les amis. En tout cas, je ne sais pas. Il y a un grenier. Mais je n'avais jamais fait attention, en tout cas. Je suis désolé les amis, mais j'avais jamais fait attention à ce grenier. Ouf, quand même, pourtant c'est pas une grande maison quoi. En tout cas, j'espère que c'est solide là, les amis, parce que il faut pas monter ici. Bonjour. Je me répète. Et vous savez qui je suis? C'est Mike. Touchez le K2 s'il vous plaît là. Ah c'est pas moi les amis. Là c'est pas moi. Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Ah je vous jure que c'est pas moi là. Et vous voyez je suis tout seul. Vous pouvez faire fluctuer le K2 s'il vous plaît là. Vous avez qu'à le toucher. Je suis pas là pour vous déranger. En plus les amis, j'allais vous parler de ça. Regardez, il y a une ancienne pièce à terre. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Vous voyez? On la remet à sa place. Je ne prends jamais rien. Ah ouais, non, non. Je suis pas comme ça. Je prends jamais rien dans les maisons. Je suis là pour vous prouver que le paranormal existe bien. Qu'on n'est pas seul. J'ai envie d'aller plus loin, mais c'est parce que je ne sais pas. Allez-y, touchez le K2, s'il vous plaît, là. Vous voyez, je suis tout seul. Vous pouvez vous manifester, il n'y a aucun problème. Vous n'avez même pas à avoir peur. Manifestez-vous, s'il vous plaît, là. Les amis, le bruit que j'ai juste avant, c'est pas moi. Bon, on va redescendre. En tout cas, c'est. Ouais, les amis, vous avez vu? Le K2 vient de fluctuer. Merci. Recommencez, s'il vous plaît. Là, ah, je pars pas d'ici si vous le faites pas, s'il vous plaît. Prouvez aux personnes. Ah, excusez-moi si j'ai un peu crié, les amis. Je suis surpris. Là. La personne était juste dans cet escalier. Vous voyez que je suis pas fou, que le truc qui a bougé, c'est pas moi. Ah, je suis pas un fou, là. S'il vous plaît, là, recommencez, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Allez-y, je suis là pour. Prenez l'énergie de ma lampe, ou même un peu de moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, j'ai envie que ça le refasse. Oh là là, les amis, si. J'espère qu'on le voit à la caméra. Au moins, vous voyez que je mens pas. Mais je suis pas là pour vous déranger, s'il vous plaît. Vous pouvez vous manifester plus que ça. Redéplacer une porte, si vous voulez. Je suis là pour ça, j'ai pas peur. Ah, alors.
alors il y a une embrouille. Ici, donc c'est plus bon. C'est vous? Allez-y. Refaites-le s'il vous plaît là. Retouchez ce K2. Ah franchement, je suis. Merci. En tout cas, je vous ai pas remercié, mais merci à vous. Si vous pouvez le refaire, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est vraiment ancien, regardez les meubles. C'est. Ah, je suis content parce qu'il a quand même fluctué le K2. Je suis pas fou. On n'est pas fou. Est-ce que vous pouvez recommencer là? Allez-y. Même une tape dans le mur ou ce que vous voulez. En tout cas, j'espère qu'on m'entend bien les amis. Que ça. Parce que je parle assez fort. Donc j'espère qu'on m'entendra bien. Je suis désolé, c'est parce que... Je crois que cette personne prend un peu de l'énergie. Vous pouvez, allez-y. Comme ça, si vous pouvez vous manifester, il n'y a pas de souci. De toute façon, s'il vous plaît, faites un peu plus que ça. C'est pour les personnes qui regardent ces vidéos. En tout cas, les amis, je vous jure que le bruit juste avant, c'est pas moi. Et le K2 a fluctué. J'espère qu'on le voit à la caméra. J'espère. De toute façon, je vais revisionner les vidéos. En tout cas, j'espère. Vous voyez, c'est... Regardez les meubles. Ah, je suis pas là pour prendre, je suis pas là pour voler ni dégrader. Je suis là pour parler, communiquer avec vous. Ça vous dérange pas, même si c'est quelques minutes. Essayez de prouver aux personnes qu'on n'est pas seul. C'est tout ce que je vous demande. Faites du bruit, s'il vous plaît. Je sais pas. Les amis, je sais pas. Est-ce que vous êtes autour de moi là? Ouais, vous manifestez, s'il vous plaît. Allez-y. On va essayer de voir à la cave, les amis. Mais. Je sais pas si on peut y accéder parce que. Je suis déjà venu ici, comme vous le savez, et je crois que c'est assez bloqué à la cave. Allez-y, touchez-le s'il vous plaît. Ici même. En plus, je marche sur toutes les affaires, j'aime pas ça. J'ai quand même un énorme respect pour les personnes. Et de devoir marcher sur leurs affaires. Voir la cave. Ah, vous voyez les amis, c'est assez le bordel. Je sais. Oh, vous voyez les amis, vous voyez le K2, vous voyez le K2. Merci à vous, merci. Je vous remercie. Ah là là les amis, je suis choqué là. Ah, je suis choqué là. Hein, soyez nombreux à me suivre. Je suis pas là pour plaisanter. Hein. On n'est pas seul. Et vous le voyez. Ah là là, si vous pouvez le refaire, s'il vous plaît. Je suis pas là pour vous déranger, vous le savez. Ah là 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 là, les amis. Vous voyez, je suis tout seul. Je suis pour communiquer avec vous. N'hésitez pas. Faire du bruit. Retoucher le K2, si vous pouvez. C'est vraiment magnifique ce que vous venez de faire. Je vous remercie pour ça. Et jusqu'au rouge, les amis, c'est waouh. Jusqu'au rouge, faut le faire. Je vous le dis, faut quand même le faire. Ah, j'espère que cette vidéo sera top pour vous. En tout cas, merci. Oh là là là, je suis choqué.
Voyez les amis, il vient encore de fluctuer, donc la personne était ici. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Si vous pouvez faire du bruit, encore une fois. Ah, je suis désolé les amis, parce que j'ai un petit goût bizarre dans la bouche. Ça me donne envie de cracher en fait, mais je peux pas. Ah ouais, j'ai tellement que c'est un goût assez bizarre. Bah, c'est dans la cave, hein. Ça doit être dans la cave. Hein. Ah, faut que je crache, je peux pas, je suis désolé. Ah! Il y a une fenêtre, je crache à la fenêtre. Ah, je suis désolé, mais je peux pas. Ah, j'ai un goût bizarre dans la bouche, les amis. Attendez 2 secondes. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, encore une fois? En tout cas, j'espère que j'ai pas. Ah, parce que j'ai une odeur bizarre, vraiment. J'espère que c'est pas toxique. Ah, ça a bougé juste derrière moi. Bah, je vais pas vous déranger plus longtemps, hein. Mais si vous pouvez vous remanifester plus que ça, comme vous avez fait à la cave, ce serait magnifique. Ah, ce serait magnifique. On va repartir du côté là. Du coup, parce que je suis. Dans la cave, j'y vais plus parce que j'ai. Ouais, j'ai une odeur. Bah, quand même, là. Je suis. Pouah, je suis un peu choqué aussi de ce qui est arrivé avec le K2. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la chaise, s'il vous plaît? Ou autour? Parce que il vient de s'allumer un peu le K2 là. De toute façon, on le verra là, sur la vidéo. Hein. Mais n'hésitez pas. Hein. Allez-y. En tout cas, ouais, les amis, je suis choqué comme de comment il a fluctué dans la cave. Là, vous pourrez pas dire que je mens. Je mens pas. La porte qui claque, le K2 qui fluctue comme ça, c'est impossible. Je peux pas mentir. On n'est pas seul. Vous voyez qu'on n'est pas seul. Vous êtes reparti à la cave? Bon, on va remonter, les amis. En tout cas, je reviendrai de nuit, si ça vous dérange pas. Est-ce que vous pouvez faire fluctuer le K2? Si ça vous dérange pas que je revienne de nuit. J'attends que vous touchez le K2. Une fois pour oui, pour que je vienne, et 2 fois pour non, s'il vous plaît. Bon, je remonte en haut, les amis. Oh, toutes ces toiles d'araignée aussi, là. Il y a eu un bruit encore une fois derrière moi, mais c'est pas grave. Par contre, si vous êtes derrière moi, s'il vous plaît. Non, personne. En tout cas, ça devait être une jolie maison qui s'est dégradée au fur et à mesure. Et j'ai entendu une tape, si, je ne sais pas si vous l'avez entendue. Ici. Vous êtes reparti au grenier? Est-ce que vous pouvez me faire fluctuer, s'il vous plaît, là? Vous refaire un bruit? Allez-y, je suis dans l'escalier, là. Il a fluctué aussi en haut. Mais dans les pièces, pas assez, je trouve. Est-ce que vous êtes ici? Faites fluctuer le K2. Ça montrera aux personnes que vous êtes là. Vous l'avez fait à la cave? Au grenier? N'hésitez pas à le refaire, hein.
Les amis, on va revoir au grenier. Cas, je suis là pour communiquer. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit. Oh, il fait extrêmement chaud ici, les amis. Oh, on dirait un sauna. N'hésitez pas. C'est à vous, ça? Est-ce que vous pouvez le déplacer ou je sais pas? Se faire à... pour repasser les habits, quoi. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, les amis. J'ai perdu mes mots. Ah, non, ça c'est moi. Ouais, parce que je voulais vous dire aussi que les personnes peuvent s'attacher aux affaires. Et ça, j'ai oublié de vous le dire dans mes enquêtes. C'est une chose très importante. Les personnes peuvent s'attacher aux affaires aussi. Donc si vous mettez le K2 sur, un objet qui tienne, logiquement, le K2 fluctue. Ah, pour ceux qui regardent les vidéos paranormales, vous savez de ce que je dis, de quoi je parle. Excusez-moi les amis. J'ai du mal à trouver des mots. Bon, en tout cas, le K2 n'a pas fluctué. On va faire, c'est qu'on va redescendre, et j'espère qu'il va fluctuer une dernière fois, ou un bruit, je sais pas, et puis après on terminera cette vidéo, les amis, cette enquête. Mais vous avez bien vu que je mens pas, il y a bien une présence ici dans ce lieu. Pour que le K2 voit jusqu'au rouge, les amis, 20 milligos, c'est vraiment puissant. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est le plus haut en milligosse. Et il a vraiment resté longtemps dans le rouge. Vous voyez que je mens pas. Hein. Ah, il y a eu du bruit, les amis. Pouvez-vous manifester? Allez-y. Bientôt, je m'en vais, là. Dans 5 minutes, je m'en vais. Donc, manifestez-vous une dernière fois, s'il vous plaît. Vous voyez, je suis tout seul. Vous ne risquez rien. J'ai l'audace de venir tout seul, en plus. Dites-vous ça, quoi. Que je fais pas ça pour rien. C'est pour les personnes qui regardent ces vidéos. Oui, les amis. J'ai envie d'aller à la cave une dernière fois, mais c'est parce que j'ai pas envie de respirer. Bon, j'y vais une dernière fois, les amis. Mais je vais prendre une respiration, je ne veux pas respirer en bas. Oui, parce que je vous dis, ça me piquait quand même à la bouche tout à l'heure. Donc c'est parti. Est-ce que vous pouvez faire fluctuer une dernière fois le K2, s'il vous plaît? Les amis, il n'y a plus rien. Ah, l'odeur, elle est insoutenable à la cave. Ah, je sais pas comment vous expliquer ça, là. Je suis choqué de l'odeur. Ah, faut que vous venez par vous-même pour le croire, parce que je vous jure que l'odeur, elle est... Et le K2, il a vraiment fluctué fort à la cave. Je vous mens pas, hein. C'est une odeur assez bizarre. Est-ce que vous pouvez faire fluctuer une dernière fois le K2 et je m'en vais? S'il vous plaît. Allez-y. En tout cas, les amis, j'espère qu'on le voit assez bien. Moi, je suis descendu à la cave, parce que celui-là, il m'a quand même choqué. De ça, il fait quand même assez chaud. Je me dis, je suis monté au grenier et on aurait dit un sauna.
Allez-y, vous pouvez vous manifester. Peut-être le fauteuil. Je vais essayer, les amis. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Décidément. Bon, la personne ne veut plus se manifester, hein, les amis. Vous voyez par vous-même. Elle s'est manifestée d'un coup. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Hein. Et je voulais vous dire aussi que... Alors, je sais pas si vous avez entendu. Il y a eu deux gros bouts. Ah, je suis choqué. Là. C'est vous qui venez de faire ça? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Oui, j'étais en train de vous parler, les amis. Il y a eu deux gros booms en haut. Je comprends pas. Bon, les amis, je vous disais. Je suis désolé, en tout cas, pour l'hôpital. Parce que, comme je vous le disais, hein, j'ai des problèmes avec ma voiture. Je peux pas faire autant de kilomètres. Et l'hôpital se trouve quand même assez loin. Donc ne vous en faites pas, j'irai quand même. Dès que ma voiture sera réparée. De toute façon, c'est sûr, parce que l'hôpital, je veux vraiment le faire. C'est un endroit quand même que... Ben, je voulais faire, en fait. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir fait encore. Et d'avoir perdu 2 mois quand même. Ah, je mens pas, je vous jure que je mens pas. Oh, les amis, vous voyez, le cadeau vient me fluctuer. Merci. Merci. Oh là 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 là, vous avez vu, les amis. Ah non, je mens pas. Ah, je vous remercie. Vous l'avez fait une dernière fois. C'est gentil. Voilà, je vais partir. Hein. Mais est-ce que... Parce que vous venez de le faire, je sais pas si on voit la caméra. Là. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît, devant? Ou refaire un peu de bruit. Et puis je m'en vais. Oh, le cadeau, il n'y a plus que tu encore une fois, les amis. Oh, j'espère qu'on le voit la vidéo. Vous voyez que je mens pas. Vous voyez que je mens pas. Et je suis tout seul. Vous pouvez le voir. C'est moi, les amis. Désolé. Allez, une dernière fois, s'il vous plaît. Et je m'en vais, je veux pas vous forcer, hein. Je suis pas là pour ça, je vous l'ai dit. C'est pour prouver aux personnes. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager s'il vous plaît. Mettre des petits commentaires, à me dire ce que je n'aurais pas vu ou entendu. Et en tout cas, vraiment désolé pour l'hôpital, mais j'irai très bientôt. Hein. Ne vous en faites pas, j'irai très bientôt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir cette vidéo, les amis. Allez, c'est parti. En tout cas, merci à vous. C'était gentil de votre part de faire fluctuer le cadeau comme ça. Ça prouve à personne. Les amis, vous verrez que je mens pas sur les vidéos. J'espère que aussi que cette vidéo vous plaira. Je vous le dis, je vais revenir sur des lieux que j'ai déjà visités. Ah, désolé. Hein. Sur des lieux que j'ai déjà visités. Donc, en attendant que ma voiture se fasse réparer. Et aussi, je voulais vous dire que sur les lieux, les premiers lieux où j'ai été, n'oubliez pas que j'avais pas le cadeau. Je n'avais pas tout ce matériel. Maintenant que je suis équipé, je vais vous le prouver que dans chaque endroit que j'ai été, il y avait bien une présence dans ces lieux. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans quelques minutes.
Donc les amis, on termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, le K2 a vraiment bien fluctué jusqu'aux 20 milligosses. Malheureusement, j'ai pas entendu moi de bruit intérieur. Peut-être en revisionnant la vidéo, j'entendrai des bruits. Donc on verra ça. Et je voulais vous dire aussi que je vais, pour la prochaine exploration, la prochaine enquête, on ira sur des lieux que j'ai déjà visités, comme je vous l'ai dit, avec mon nouveau matériel, c'est-à-dire le K2, tout ça, quoi. Je les avais pas pour les premières enquêtes. Donc au moins, ça pourra vous prouver, avec le K2, un peu plus. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Allez.